Bah, j'ai déjà vu certaines vidéos à l'OTI notamment avec toutes les soirées, les beuveries, etc. Mais ça a l'air super chouette, sauf que moi, quand je pars au ski, c'est vraiment pour profiter à fond avec mes potes, faire du ski. Et là, pour moi, il y a trop d'alcool, quoi. Donc voilà. Et sinon, le prix, c'est un peu cher, quoi. Mais sinon, ça a l'air génial. Je pense qu'ils sont un peu trop basés sur l'alcool, peut-être. Mais le principe de partir après les examens, je trouve ça bien. Pour moi, le ski, c'est juste le ski. Enfin, on peut faire la fête, mais peut-être qu'eux abusent un peu. Mais après, si on sait combiner les deux, pourquoi pas. Je pense que ouais, c'est un de leurs atouts, même. Enfin, un de leurs atouts. C'est comme ça qu'ils attirent, même, à mon avis, pas mal de gens chez eux. Tous les soirs, tous les jours, il y avait des activités organisées. C'était très complet, très actif. C'était vraiment bien. Et comment étaient les soirées là-bas? J'ai plus beaucoup de souvenirs. Je reconnais que c'est bien, c'est les vacances de ski où j'ai pas beaucoup skié. Je skiais deux heures par jour. Il y a même des jours où j'ai pas été skié, je reconnais. C'est un choix à faire si on y va. Faut savoir combiner les deux ou alors juste faire l'un ou l'autre. Quoi. C'est vraiment un culte des étudiants qu'après les examens, on va d'abord partir au ski, faire la fête et boire, et ça attire tout le monde.